Bonjour à toutes et à tous, c'est 89 Fox Echo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de la série Une semaine, un avion. Et ouais. Donc d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais censé mettre l'épisode en ligne la semaine dernière. Mais à cause d'un contretemps, et un peu de flemme aussi, et des révisions, et patati et patata, enfin plein d'éléments. Plein d'événements ont fait que je n'ai pas pu mettre, enfin, préparer, on va dire, l'épisode la semaine dernière, donc je vous le propose avec une semaine de retard. Donc je m'excuse, enfin, par rapport à mes autres grandes absences, 2 semaines, c'est rien. Donc revenons-en dans le vif du sujet. Cette semaine, nous allons parler du chasseur français de chez Dassault, non pas le Rafale, mais un petit peu en arrière, le Mirage 2000. Comme d'habitude, donc je vais diviser l'épisode en 4 parties, hein, vous devriez le savoir, que la première s'appelle Pour résumer, la seconde c'est On détaille, la troisième, tout le monde le sait, ce sont les caractéristiques principales, l'armement et les bugs. Et les dates importantes et les comparaisons avec d'autres aéronefs. Et enfin la catégorie sur jeux vidéo que je ne vous présente. Donc pour résumer, le 2000 est un chasseur monoréacteur français inspiré fortement et ressemblant fortement au Mirage 3. L'armée de l'air française en est bien entendu le principal utilisateur, tout le monde le sait. Donc pour détailler, le 2000 de chez Dassault Aviation et Dassault DA2SAULT. Donc le Mirage 2000 de Dassault Aviation est un chasseur français conçu à partir de la fin des années 1970. Alors, sa voilure Delta, donc c'est-à-dire sa voilure en forme de triangle comme le Concorde ou le Rafale, donc sa voilure Delta, ses commandes de vol électriques et son armement en font un chasseur d'exception. Bien entendu, je ne fais aucun placement produit pour Dassault, sachant que maintenant, si je devais en faire, ce serait pour le Rafale. Alors, il est aussi l'avion phare du film de Gérard Pires intitulé Les Chevaliers du Ciel avec un C. Donc avec Clovis Cornillac et Benoît Magimel, sorti en 2005, c'est bien entendu un de mes films préférés et c'est surtout le film qui m'a donné envie d'aller dans l'armée de l'air. Voilà, bref. Le Mirage 2000 s'est quand même assez bien exporté avec précisément 286 exemplaires vendus à 8 pays différents, si on enlève la France du lot. Donc on a droit au Brésil, à l'Égypte, aux Émirats Arabes Unis, à la Grèce, à l'Inde, au Pérou, au Qatar et à Taïwan. Alors le 2000 s'est décliné en 7 versions différentes, voilà, ils ne sont pas fait chier, c'est Dassault, chez Dassault. Donc le Mirage 2000B, le Mirage 2000 C, le Mirage 2005, le Mirage 2009, le Mirage 2000N, le Mirage 2000D et le Mirage 2000E. Sachant que sur les 7 versions, il y en a 3 qui sont biplaces. En parlant de biplaces, pour commencer, on va parler du Mirage 2000B, qui est une version d'entraînement. Ensuite, le Mirage 2000C est monoplace, et pour la défense aérienne. Le Mirage 2005 est monoplace, et est prévu à la base pour l'exportation. Mais finalement, l'armée de l'air a passé de 3 2000C à certifié de droit Mirage 2000C en version 5. Donc pour principalement, je souligne le principalement pour l'armement et le radar qui sont bien mieux. Voilà. Le Mirage 2000E donc est destiné à l'exportation. Le Mirage 2009, le 2000E pardon, est monoplace. Le 2009 est également monoplace, sauf qu'il est destiné aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est le seul pays qui a sa version. Je dis bien le seul parce que la France a ses versions au pluriel. Voilà. Le 2000N est un biplace pour les frappes nucléaires. Voilà. Le 2000D est également un biplace, mais c'est pour les frappes tout court. Les frappes stratégiques, mais pas de bombes nucléaires. Voilà. Pour les caractéristiques principales, le Mirage 2000 est équipé par SNECMA. Donc un réacteur M53P2 avec 2 entrées d'air et une sortie à l'arrière. Tout le monde le sait. Donc avec
post-combustion, hein, évidemment. Alors, un pilote et un NOSA sur biplace et un pilote tout seul sur monoplace ont pour mission de faire voler ce joli joujou. Juste précision, un NOSA c'est un navigateur officier système d'armes. Navigateur de la place arrière, quoi. Alors, niveau armement, il y a 6 types de missiles, donc soit des enfin, en incluant le missile nucléaire, les missiles air-sol et les missiles air-air. Voilà. Alors, il y a deux canons de 30 mm, sauf sur les versions biplace, donc sur les D, N et B. Aucune référence au brevet des collèges. Bref. Alors, pour les principales dates, il y a le premier vol de la version Mirage 2000C, donc le 10 mars 1978, et sa mise en service au sein de l'armée de l'air française en 1984, et la mise en service de la version 2005 en 1997. Voilà, ce sont les seules dates clés que j'ai réussi à trouver sur Wiki. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, pour la comparaison, on peut faire le tour du globe. En Amérique, avec le General Dynamics F-16 Fighting Falcon et le Boeing FA-18 Hornet et Super Hornet. On fait un petit tour en Russie avec le 1029 Fulcrum. Et on finit en Asie avec le Mitsubishi F2 et le JF-17 Thunder. Bien que le F2 ressemble assez fortement au F-16 Fighting Falcon, pardon. Donc, bon. Je me pose une question quand même, hein. Enfin bon, c'est Mitsubishi, c'est leur problème. J'espère justement qu'ils ont réglé leur problème avec General Dynamics. Enfin bref. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Sur jeux vidéo, on peut le trouver sur. Alors, déjà, je vais ne citer que deux exemples. Primo FSX, donc soit des add-ons freeware, par exemple, qu'on peut trouver sur Riku. D'ailleurs, ils font des add-ons assez pas mal pour Mirage 3 et Mirage 2000. Et on peut le trouver aussi fin, en free en payware, donc le Metal to Mesh M2K, M2K. Metal to Mesh M2K. Donc, qui est un add-on payware de très grande qualité quand même. Donc, allez faire un petit tour sur YouTube, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on peut le trouver, donc, enfin, le Mirage 2000, on peut aussi le trouver dans une grande partie des Ace Combat comme un appareil très très puissant, très bien armé et très manœuvrable. Voilà. L'épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, la fiche PDF est disponible sur mon site web. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un j'aime. Vous pouvez également vous inscrire sur le site web, rejoindre la page Facebook et Twitter pour pouvoir avoir des informations assez régulièrement. J'ai également ouvert un compte Twitch. Bon, à la base, c'était pour regarder des streamers, mais bon, je me suis dit finalement, je pourrais quand même l'utiliser. Donc, vous pourrez aller voir le compte Twitch de temps en temps. Bon, bien sûr, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux quand je vais faire des lives, mais c'est pas pour maintenant. Enfin bon, c'est pas ce qui vous empêche de le rejoindre quand même. Voilà, enfin bon, petit coup de pub pour moi, voilà. T'as vu? Enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sachez que j'ai quand même mis. J'ai bien galéré au montage, hein, je vous préviens. Pardon. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie pour les quasiment 5000 vues. Je crois qu'on est à 4700 et quelques. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres youtubeurs, c'est pas énorme. Il y en a qui sont à 1 million, il y en a qui sont à 1 milliard, mais franchement, je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes certes, vous êtes pas beaucoup sur Twitter et Facebook, mais vous êtes quand même là. J'ai remarqué aussi qu'il y a du monde qui vient visiter le site internet, donc c'est bien, donc je vous en remercie. Ils viennent à peu près
Souvent, il y a du monde à peu près tous les jours. Sauf exception, bien sûr. Enfin bon, c'était 89 Fox Echo. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une semaine à la vie. Un avion. Sur ce, ciao, bye, bye.